Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence sur le passage au collégial. Mon nom est Éric Rabouin, je suis enseignant en mathématiques au Collège La Flèche. La présentation de ce soir va aborder quatre blocs de sujets relativement importants pour la poursuite de vos études. Donc, le premier bloc va parler du portrait du collégial. Donc, on va analyser à quoi ça ressemble les études collégiales ensemble. Le deuxième bloc va porter sur l'admission au collégial. Donc, comment on fait pour faire ou pour déposer une demande d'admission au collégial. On va avoir ensuite de ça un bloc sur la vie au collégial, donc comment ça se passe au jour le jour, la vie dans les cours, dans la classe au collégial. Et on va terminer avec un bloc sur les conditions pour réussir ces études collégiales. Notez qu'au bas de l'écran, vous voyez une section clavardage. Donc, tout au long de la présentation, si vous avez des questions ou des commentaires, on a une équipe qui peut répondre à vos questions live sur le clavardage. Donc, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour y avoir accès. Avant de débuter le premier bloc, j'inviterai M. Luc Pellerin, notre directeur général, à vous adresser quelques mots. Bonjour, mon nom est Luc Pellerin, je suis le directeur général du Collège La Flèche. Il me fait plaisir de prendre la parole pendant une minute ou deux avec vous dans le cadre de cette conférence sur la transition vers le collégial. Le Collège La Flèche, comme maison d'enseignement qui a plus de 50 ans maintenant, a pour notoriété ou appuie sa réputation sur une belle ambiance chaleureuse lorsqu'on accueille nos étudiants ou même entre les membres du personnel. Nos fondatrices, les Ursulines, nous ont d'ailleurs légué cette valeur qu'on appelle l'attention à la personne, ce qui veut dire, pour nous, que chaque année, on adapte les services, on transforme les activités pour faire en sorte qu'on tient compte des besoins des étudiants ou de notre personnel pour que le milieu soit bienveillant. Notre notoriété s'appuie également sur de l'innovation pédagogique, c'est-à-dire qu'on met de l'attention dans la relation entre le professeur et les étudiants, des stratégies pédagogiques pour que les étudiants apprennent entre eux, mais également de l'innovation technologique, transformer nos espaces d'apprentissage, moderniser les équipements pour que les étudiants bénéficient du meilleur encadrement académique. À titre d'exemple, et si on ne prenait que les deux dernières années, le La Flèche a investi plus de 2 millions de dollars dans la transformation des espaces d'apprentissage. Le programme de radiodiagnostic a vu l'ensemble de son parc technologique transformé, renouvelé. Un scanner a même été intégré. L'équipe de professeurs du programme d'éducation spécialisée désirait avoir un laboratoire dans lequel on ferait des simulations. On peut recréer, par exemple, un appartement, une chambre. Et il est possible d'observer derrière un miroir, dans une autre pièce, la scène qui se déroule pour ensuite la critiquer, la commenter pour que les étudiants puissent s'améliorer. On se disait récemment que notre bibliothèque pouvait devenir un lieu où il y avait moins de livres. On les envoyait dans une réserve. On voulait transformer la bibliothèque pour qu'il y ait davantage d'espace où les étudiants vont entre eux étudier, collaborer, brancher leur appareil, se connecter sur Internet, avoir dans le fond un espace où l'étude individuelle est favorisée, à d'autres lieux où on est capable de relaxer, de s'installer pour un peu faire sa revue de littérature. Bref, on est appuyé sur de l'innovation ou sur une chaleur humaine. C'est ce qui nous caractérise. On a bien hâte de vous offrir ça. J'ai hâte de vous voir à la rentrée à l'automne 2022. D'ici là, je vous souhaite de compléter une année qui n'est pas si simple en cinquième secondaire. Très hâte de vous revoir. À bientôt. Le disait M. Pellerin, on est d'ailleurs dans la bibliothèque, vous avez peut-être remarqué tantôt, la toute nouvelle bibliothèque qui vient d'être rénovée. Et c'est ici qu'il me fait plaisir d'accueillir mon premier invité, M. Yann Dufresne, qui est directeur adjoint à la direction des études au service de l'organisation scolaire, ou plus simplement, M. le registraire. C'est beaucoup. Salut Eric. Salut Yann. Écoute Yann, on va aborder ensemble le portrait des études collégiales, donc oui. Montrer aux gens en fait à quoi ça peut ressembler les études collégiales. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différents types de formations qui existent au collégial? Les formations offertes au collégial, on a le pré-universitaire et on a les programmes techniques. Je vais plus en détail. Au niveau des pré-universitaires, c'est un cheminement qui se fait sur 2 ans, donc sur 4 sessions. Et puis, le cheminement pré-universitaire, bien, les études se poursuivent ensuite, ça le dit, à l'université. Ensuite, au niveau technique, programme de 3 ans. Et puis, toujours sur 6 sessions. Donc, il y a 2 options à ce moment-là qui s'offrent à l'étudiant, soit d'aller directement sur le marché du travail ou de poursuivre à l'université. Excellent. Puis, dis-moi donc, j'ai entendu parler de programme intensif. C'est quoi ce débit-là? Ça ressemble à quoi, un programme intensif? Bien, programme intensif, c'est un programme qui se donne normalement sur une plus courte période. Et puis, l'étudiant doit avoir réussi sa formation générale pour intégrer le programme intensif. Donc, c'est comme une condition d'admission particulière au programme. Donc, c'est généralement des étudiants qui ont déjà fait un parcours collégial puis qui décident de se réorienter ou de faire un deuxième bac. Habituellement, oui. Excellent.
Puis pour un étudiant qui ne serait pas tout à fait sûr, puis qui veut prendre son temps, puis qui veut magasiner un peu, puis qui veut essayer des programmes, y a-t-il quelque chose qui s'offre à lui au collégial? L'option qui s'offre à l'étudiant, c'est le programme Tremplin Deck. Puis à l'intérieur du programme, ben, je me reprends, ce n'est pas un programme, c'est plutôt un cheminement Tremplin Deck. À l'intérieur de ce programme-là, on offre principalement la formation générale à l'étudiant. Okay. Puis quelquefois, on peut ajouter à l'étudiant un cours d'un programme X, par exemple, qui pourrait l'intéresser pour l'aider à voir si le programme l'intéresse. Un programme de formation spécifique, oui. Excellent. Ensuite de ça, on a ici à l'écran quelques programmes qui sont offerts au LaFlèche. En fait, tous les programmes qui sont offerts au LaFlèche. Et parmi ces programmes-là, bien, il faut faire attention parce qu'il y a des programmes qui sont contingentés, ce qu'on appelle un programme contingenté. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces programmes-là? Principalement, c'est au niveau des programmes techniques. On a deux programmes. On a le programme radiodiagnostic et santé animale, où les places sont limitées annuellement aux étudiants. Donc, c'est les programmes où on reçoit le plus de demandes d'admission, par exemple au mois de mars, au tour 1. Là. Excellent. Donc, c'est des programmes où on a trop de demandes d'admission par rapport au nombre de places qu'on a à combler. Exactement. Excellent. Alors, pour les étudiants qui voudraient magasiner ou essayer de choisir le meilleur programme qui peut s'offrir à eux, bien, on a deux activités qui s'en viennent spécifiquement pour vous. Donc, la première aura lieu, c'est un bloc, en fait, c'est du 14 au 25 février prochain. C'est l'activité qu'on appelle « Étudiants d'un jour », où on invite les étudiants à venir physiquement ici au collège, dans les cours, accompagnés d'étudiants, pour vivre la vie du LaFlèche et la vie du programme. On a également notre soirée info admission qui se tiendra à cause du contexte sanitaire cette année en mode virtuel, évidemment. Donc, le mercredi 16 février à compter de 16h30. Les détails de cette soirée information admission-là vous seront communiqués un petit peu plus tard au cours de la présentation. Maintenant, Yann, dis-moi, l'étudiant, là, il a magasiné, il a fait son choix, il est venu faire étudiant d'un jour pour essayer la chose. Et là, il est rendu à faire sa demande d'admission. Donc, ça, c'est un gros processus. En fait, ça fait peur des fois aux étudiants. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau du processus d'admission au collégial? Processus d'admission au niveau collégial, tout candidat qui possède ou qui est titulaire d'un diplôme d'études secondaires est admissible au collégial. Évidemment, il y a certains programmes où ce qu'on a des conditions d'admission particulières comme santé animale ou sciences de la nature. Donc, des préalables de mathématiques ou de sciences doivent être respectés. Oui. Donc, ça ne va pas dans un programme de sciences. Si tu n'as jamais fait de sciences de ta vie, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Voilà. Donc, ensuite de ça, est-ce qu'il y a une différence, tu sais, collège privé, cégep, services régionaux d'admission? C'est quoi la principale différence au niveau des dépôts de demande? Bien, au Collège LaFlèche, le candidat peut déposer sa demande d'admission directement sur le site web du Collège LaFlèche. Donc, le Collège LaFlèche n'est pas membre d'un service régional d'admission comme le SRAM ou le SRAC. Donc, toute l'analyse des dossiers se fait ici directement au Collège LaFlèche. Excellent. Donc, ça veut aussi dire, si je ne me trompe pas, qu'un étudiant pourrait faire une demande dans un cégep et une demande au Collège LaFlèche en même temps. T'as-tu compris? Quelque chose qui n'est pas possible de faire à l'intérieur des services régionaux d'admission. Absolument. Excellent. Au niveau du délai, donc les étudiants, là, ils sont en magasinage. Évidemment, il y a des délais pour déposer des demandes. Ça ressemble à quoi les délais qu'on peut avoir? Pour, si on parle là, de l'automne 22, le délai est du 1er mars. Donc, ça, c'est la date limite pour déposer une demande d'admission au tour 1. Ensuite, on envoie les réponses aux demandes d'admission, donc le verdict à l'admission, au plus tard le 25 mars pour cette année. Ensuite, il y a le tour 2 qui suit, le tour 3. Évidemment, pour faire un lien avec les programmes contingentés dont tu parlais tout à l'heure, après le tour 1, bien, il est trop tard pour faire une demande dans les programmes contingentés. Généralement, ils sont rendus. Oui, puis l'information est toujours diffusée sur notre site web si les programmes contingentés sont fermés ou pas. Excellent. Hey, merci beaucoup, Yann. Plaisir. On va passer à une petite vidéo explicative de la soirée information admission. Avant de lancer la vidéo, il y a quelques avantages de participer à cette fameuse soirée information admission-là dont je vais vous parler. Donc, le premier avantage, c'est que le dépôt d'une demande d'admission coûte normalement 45 $. Et si vous la faites ce soir-là, bien, la demande d'admission est gratuite. Donc, vous économisez un beau 45 $ pour aller manger au restaurant avec votre bourse. Deuxième avantage, vous allez avoir la réponse à votre demande d'admission le soir même, à l'exception des programmes contingentés. Donc, vous faites le dépôt de votre demande et avant d'aller vous coucher, bien, vous allez pouvoir dormir en paix parce que vous allez savoir si vous êtes admis ou non dans votre programme d'études. Et sachez, pour ceux que ça intéresse, que pour réserver votre place dans nos résidences, donc dans nos logements étudiants, bien, vous devez avoir en main la réponse à votre demande d'admission. Et si vous venez déposer votre demande d'admission le 16 mars prochain, bien, le 16 février prochain, le 16 mars, bien, vous allez, dès réception de votre demande, de votre réponse, en fait, pouvoir procéder à la réservation de votre logement. Alors, voici la petite vidéo sur le fonctionnement de notre soirée information admission virtuelle. Tu veux déposer une demande d'admission au Collège LaFlèche et profiter de la gratuité offerte lors de la soirée Info Admission?
Suis ces trois étapes faciles. Étape 1, rends-toi sur le c-laflèche.qc.ca/SIA. Consulte la section de droite pour connaître les documents à fournir selon ta situation. Puis, appuie sur le bouton juste ici pour remplir notre formulaire de pré-admission. Ce formulaire te permettra d'obtenir ton code promo de gratuité et de nous fournir tes documents. Si toutefois tu souhaites déposer une demande en radiodiagnostic, en éducation spécialisée, en santé animale, en archives médicales en ligne ou dans une attestation d'études collégiales, tu dois tout de même remplir le formulaire pour obtenir ton code promo, mais tu n'auras aucun document à déposer. Remplis donc le formulaire en t'assurant de bien respecter les formats demandés, puis appuie sur « Envoyer ». Si ton dossier est incomplet ou que des documents sont manquants, un membre de notre équipe entrera en contact avec toi rapidement. Étape 2. Le 16 février, à 16h30, surveille ta boîte courriel. Tu recevras ton code promo te permettant de sauver les frais d'admission de 45 $. Tu devras l'utiliser durant notre soirée info-admission, c'est-à-dire le 16 février, entre 16h30 et 19h30. Il sera valide durant cette période seulement. Étape 3. Avec ton code promo en main, rends-toi sur le c-laflèche.qc.ca/admission et clique sur le bouton « Juste ici ». Cela t'amènera sur Omnivox pour déposer ta demande d'admission officielle. Lors du paiement, entre ton code promo au lieu de payer. À noter qu'après le 16 février, 19h30, le code promo ne sera plus fonctionnel et tu devras à nouveau payer les frais de 45 $. Suite à ces trois étapes, il ne te reste qu'à attendre ta réponse. Tu la recevras en direct au cours de la soirée du 16 février, à l'exception des programmes mentionnés plus tôt qui ne seront pas analysés lors de l'événement. Tu as des questions? Contacte-nous par téléphone, courriel ou par clavardage. Au plaisir de te compter parmi nos futurs étudiants. Je suis maintenant accompagnée de Mme Mélissa Rattel, directrice adjointe des études à la pédagogie au programme. Salut Mélissa. Bonjour Éric. Ça va bien? Très bien, merci. Très bien, excellent. Mélissa, on va aborder ensemble le thème de la vie au collégial. Oui. Donc, les étudiants qui arrivent au collégial vont souvent vivre un changement de rythme, un changement d'horaire, un changement de vie. Est-ce que tu peux nous parler des principales différences entre ce qui se vit, par exemple, dans le milieu scolaire secondaire et collégial? Tout à fait. Premièrement, bon, c'est une nouvelle adaptation. On le sait, là, la vie au collégial versus ce qu'on a vécu au secondaire. Une des premières adaptations, je pense que c'est la durée de la période d'une session. En fait, au collégial, une session dure 15 semaines. C'est déjà un élément quand même assez important, contrairement à, par exemple, l'horaire d'une année au secondaire qui est sur 10 mois. Donc, 15 semaines, c'est très rapide. Et à l'intérieur de ces semaines-là, en fait, on va retrouver une semaine de relâche, qu'on appelle, mais particulièrement d'études, si on veut, qui se situe environ à la 7e ou 8e semaine, là, dépendamment de la session, et une semaine d'examen, donc qui s'ajoute aux 15 semaines, donc une 16e semaine là, qui est vraiment reliée aux évaluations terminales. Donc, les sessions, il y en a deux dans une année complète. Une session d'automne qui va débuter vers la mi-août et qui va se terminer vers la mi-décembre, et une autre à l'hiver, en fait, la session d'hiver qui va débuter vers la mi-janvier et se terminer au mois de mai, donc vers la mi-mai. Certains programmes intensifs vont également avoir une session d'été, donc dépendamment du cheminement qu'on va choisir. En effet. Ça veut donc dire qu'un étudiant qui a un cours de maths à sa première session dans son cheminement collégial n'aura pas nécessairement de cours de maths à la deuxième session parce qu'il va avoir un nouvel horaire, des nouveaux profs et des nouveaux cours. Exactement. Nouvel horaire, nouveaux profs, nouveaux cours. Donc, un nombre d'heures également qui va varier d'une session à l'autre, dépendamment du programme dans lequel on se retrouve. Excellent. Parlant du nombre d'heures, vu que tu en parles, ça ressemble à quoi une semaine typique là, d'un étudiant au niveau collégial en termes de charge ou de nombre d'heures de cours? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au secondaire, par exemple, où on va avoir un horaire sur 10 jours, quand on arrive au collégial, on a un horaire hebdomadaire. Donc, le même cours, si on commence en mathématiques le lundi matin avec Éric Rabouin, on va commencer pendant les 15 semaines à venir avec le même professeur au même heure. Donc, ça, c'est un premier changement qui s'opère là, quand on arrive au collégial. Et dépendamment du programme dans lequel on se retrouve, si on est dans un programme préuniversitaire, on peut avoir de 20 à 25 heures par semaine de cours dans notre horaire du lundi au vendredi. Pour les programmes techniques, c'est un peu plus chargé en termes d'heures. On peut parler de 25 à 35 heures par semaine. Et là, tu vas sans doute me dire pour quelle raison il y a une différence de ce type entre le préuniversitaire et le technique. C'est principalement parce que les programmes techniques, il y a quand même un nombre de laboratoires. Il y a un aspect pratique qui va être quand même assez important. Donc, ce qui fait en sorte qu'on va avoir un nombre d'heures un peu plus grand pour permettre justement la réalisation de ces laboratoires-là. Donc, un peu plus de manipulation, un peu plus de laboratoires.
On peut présenter d'ailleurs à notre auditoire deux horaires types d'étudiants dans les programmes. Donc, on a ici un exemple d'horaire d'un étudiant dans un programme préuniversitaire qui est un programme de sciences humaines. Donc, on peut voir qu'il y a quand même quelques trous. L'étudiant ne commence pas tout le temps à 8 heures le matin. Il y a un jeudi matin complet de liberté, en fait. Je conseillerais peut-être à l'étudiant de se garder du temps pour faire ses travaux, hein, parce qu'on sait qu'au collégial, il y a quand même des travaux à compléter. Tout à fait. En comparaison avec l'horaire d'un étudiant qui vient d'un programme technique, donc ici, on parle de technique de tourisme, donc un horaire qui est beaucoup plus chargé avec des blocs de cours qu'on peut voir qui sont beaucoup plus gros et longs, en fait, dans lesquels on va justement retrouver, comme tu disais tantôt, l'aspect pratique, l'aspect collaboration à des projets et tout ça, qu'on retrouve beaucoup plus dans les programmes techniques. Exactement. Puis peut-être pour ajouter, dans le fond, peu importe le programme dans lequel on se retrouve, on peut retrouver, en fait, des cours qui peuvent aller de 1 heure à jusqu'à 4 heures, donc des blocs d'une heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures, et même plus dans certains programmes particuliers. Et ces cours-là peuvent être scindés, par exemple, en 2 portions pour un cours de 4 heures, donc 2 fois, par exemple, philosophie à l'intérieur de notre horaire de la semaine, plutôt qu'un grand bloc de 4 heures. Donc, c'est quand même un élément particulier là, qui s'ajoute parmi les adaptations. Voilà. Dans la vie collégiale. Donc, il faut être prêt, en fait, à avoir un cours de maths qui va durer 3 heures, où je vais être assis sur ma chaise pendant 3 heures à écouter mon prof de maths. Ça. Et à participer, et à faire des problèmes, travailler, manipuler, et ainsi de suite. Donc, ça fait partie aussi de la vie collégiale et des cours. N'ayez pas trop peur. Là. On prend des pauses à peu près à chaque heure. On prend un petit 10 minutes là, pour aller prendre un café. Là. Ça aide à faire passer les problèmes de maths. Un élément qui est souvent soulevé au niveau des horaires et d'une différence entre le secondaire et le collégial. Éric, est-ce qu'on a une cloche qui nous indique la fin de notre cours au collégial? En fait, ici, on entend une cloche, mais ce n'est pas la nôtre. Donc, il n'y a pas de cloche, il n'y a pas nécessairement de prise de présence au collégial. C'est vraiment le prof qui va décider de son degré en fait, de tolérance face au retard. Tu sais, on va en reparler un petit peu plus tard, mais quand vous arrivez au collégial, vous êtes considéré comme des adultes, donc vous êtes autonome et responsable de ce que vous faites. Donc, c'est une partie vraiment importante de la gestion du temps, des choses qui vont devoir travailler en arrivant au collégial. Dis-moi, Mélissa, au niveau de l'évaluation, tantôt, on en a parlé un petit peu, les sessions sont beaucoup plus courtes que ce qu'on peut vivre au secondaire, donc tu n'as pas 75 examens de maths dans ton année, tu en as 2 ou 3. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'important? Qu'est-ce que ça amène d'important, en fait, dans les études? En fait, je pense que c'est une particularité assez importante à considérer dès le début de ses études au collégial parce que l'organisation, c'est un élément qui est hyper important pour réussir. Contrairement au secondaire, où on a toute l'année pour se reprendre, les évaluations au collégial viennent assez rapidement. Donc, évidemment, il faut être à la tâche, il faut être assidu. Il faut rapidement s'établir une organisation dans notre travail parce qu'un premier il n'y aura pas des évaluations à toutes les semaines et les évaluations vont quand même avoir une ampleur quand même assez importante justement pour les résultats et la suite des choses. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'à la 16e semaine, on va avoir une épreuve terminale ou une évaluation finale qui compte pour un minimum de 40 %. Donc, c'est quand même un volet assez important. Puis comme le secondaire, on va évaluer les compétences relatives à un cours. Donc, je pense que l'élément le plus important, c'est tout de suite de se mettre à la tâche, de bien s'organiser dès le début de la session, de ne pas procrastiner justement parce que je pense que ça finit par rattraper ceux qui vont étirer certains délais. Il ne faut pas partir en retard, en fait, c'est ça. Exact. Au niveau du français, j'ai entendu dire que le français, c'était important, mais pas juste dans les cours de français, que c'était aussi considéré dans les autres cours, c'est vrai? C'est tout à fait vrai parce que, en fait, le français... c'est un élément hyper important qu'on va retrouver autant dans les compétences sur le marché du travail que pour le volet universitaire si on poursuit nos études dans des études supérieures. Donc, le français est primordial et il sera évalué, en fait, il est évalué dans l'ensemble des cours du collège. Donc, quand on transmet un projet, une évaluation ou autre, il y a jusqu'à 10 % du résultat qui peut être affecté par une mauvaise qualité de la langue. Donc, c'est important. On offre des services ici au collège. On a entre autres un centre de ressources linguistiques, un CRL, où on peut offrir du tutorat pour aider les gens à aller chercher des habiletés de base en français. Et ça va évidemment les aider au niveau de leur réussite là, par la suite dans les différents cours. Donc, le français, c'est un élément important au collège La Flèche, mais en fait dans tous les cégeps. Là, donc, c'est la réalité que vivent un peu l'ensemble des étudiants collégiaux. C'est certain que dans les cours de littérature, le français va occuper une place encore plus grande, donc ça peut aller bien au-delà du 10 % en question, étant donné que c'est un élément de la compétence de littérature elle-même.
Il ne faut pas que les gens oublient non plus qu'au collégial, la notion d'examen d'univers, ça n'existe pas, sauf en français. Donc, il y a un examen qui est géré pour tous les étudiants qui font des études collégiales qui s'appelle l'épreuve uniforme de français. Donc, si tu n'obtiens pas, si tu ne réussis pas ton épreuve uniforme, ben, tu n'as pas ton diplôme d'études collégiales. Donc, c'est pour ça que le français, on en prend soin dans tous les cours au collégial. Mélissa, on entend souvent parler de la fameuse cotère. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent au collégial avec beaucoup de pression et beaucoup de stress au niveau de la cotère. Est-ce que tu peux nous en parler, genre, succinctement? On ne veut pas passer toute la soirée à parler de ça, mais c'est un sujet chaud, on ne peut pas l'éviter. Tout à fait. Puis, dans certains programmes, c'est un élément qui est quand même important. Certains étudiants visent des programmes universitaires particuliers qui sont contingentés, donc qui nécessitent une cotère. Donc, de démystifier aujourd'hui la cotère, ce n'est pas l'objet de notre rencontre, parce qu'il y a quand même beaucoup de spécificités à connaître. Mais sachez que certains programmes universitaires nécessitent justement une cotère relativement élevée. Donc, on parle d'environ, dépendamment des programmes, là, je ne veux pas cibler nécessairement des cotères parce que ça peut varier. Mais sachez que dans certains cas, là, ça devient une préoccupation. Et on est là pour vous accompagner aussi là, à l'intérieur de ce cheminement-là au collégial, si vous désirez poursuivre là, dans des programmes particuliers aussi. Donc, voilà. Il est important de savoir sur la cotère parce que ça a changé, ça a évolué au fil du temps. Donc, c'est une mesure qui existe depuis près de 25 ans. Mais en 2017, il y a eu une mise à jour qui a été faite de la cotère. Et la nouvelle cotère est là comme caractéristique qu'elle n'est pas avantageuse, peu importe le programme, le groupe ou le cégep dans lequel tu vas étudier. Donc, c'est une cotère qui est maintenant juste et équitable. Et ce n'est pas le seul critère d'admission dans les programmes contingentés. Donc, maintenant, il y a des tests psychologiques, en fait, que les universités vont faire passer aux futurs étudiants qui vont compter parfois même plus que la cotère. Tout à fait, exactement. Donc, on entre au collégial et on stresse après sur la cotère. Tout à fait. Hey, merci, Mélissa, pour cette magnifique présentation. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. On va passer à la vidéo de Mme Geneviève Dallaire, directrice des services aux étudiants. Mon nom est Geneviève Dallaire, je suis directrice des services aux étudiants. Qu'est-ce qu'on fait au SAE? Bien, en fait, on touche tout ce qui entoure les études. Donc, on est vraiment dans la continuité de ce qui se vit au secondaire. Donc, que ce soit pour les activités parascolaires, pour les implications dans différents comités ou encore pour les sports. Donc, on est vraiment là pour t'offrir une vie étudiante très dynamique, bien remplie. Donc, on a de l'impro, du théâtre, de la danse, du sport électronique, du sport études, plusieurs implications dans des comités, une association générale des étudiants, donc c'est un peu comme le conseil étudiant. Alors, c'est vraiment dans la continuité de ce qui se vit déjà dans ton établissement secondaire. Sinon, les services aux étudiants, bien, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on offre? On est là pour s'occuper vraiment de ta santé, donc santé physique, santé mentale. Alors, on a les services d'une médecin, donc 2 demi-journées par semaine, un service qui est gratuit, qui est offert à tous les étudiants. Également, les services de 3 travailleurs de milieu qui sont là pour soutenir nos étudiants en ce qui concerne tout l'aspect psychosocial. Ils sont là également, les travailleurs de milieu, pour les services adaptés. Donc, si par exemple, tu as un diagnostic, que tu as besoin d'un plan d'intervention, donc ils sont là pour t'accompagner afin d'être en mesure de mettre en place ce plan pour tes études. Sinon, on a des résidences étudiantes, donc 2 bâtiments à même le campus, 120 places en résidence, des studios privés, partagés, des appartements. Donc, c'est possible de vraiment vivre la vie de campus à quelques pas du collège. Sinon, les prêts et bourses, donc aide financière aux études. Donc, on a une personne qui est là pour t'accompagner dans tout le soutien financier, que ce soit les bourses de la Fondation ou les prêts et bourses du gouvernement. Donc, une panoplie de services, une belle vie étudiante bien remplie. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de te répondre. Alors, en te souhaitant la bienvenue dans la grande famille du La Flèche. Merci. Merci Geneviève. Donc, vous pouvez voir à l'écran actuellement le résumé de ce qui peut être fait au collège en termes de vie étudiante ou de vie sportive. Donc, les différents sports de nos dragons, les différentes choses qu'on peut faire pour profiter en fait de la vie au collégial parce que c'est quand même un bout de la vie qui va être vraiment intéressant. Se joint à moi M. Louis-Philippe Normand qui est travailleur des milieux ici au Collège de la Flèche. Salut Louis-Philippe. Allô Eric. Écoute, je ne me suis pas trompé dans ton nom aujourd'hui quand même. Louis-Philippe, on va aborder ensemble la réussite des élèves. Donc, on est admis au collégial, on a choisi notre programme, on sait un peu comment ça va se passer, mais c'est toute une adaptation que les étudiants vont vivre. Et je te demanderais d'emblée, c'est quoi le principal conseil que tu pourrais donner aux étudiants
qui entrent au collégial. Ben, j'écoutais mes collègues tout à l'heure discuter, puis ils parlaient de changements au niveau de l'horaire. Où il y avait beaucoup d'adaptations qui devaient se faire. Pour certains, ce passage-là au collégial, c'est un moment heureux. Il y en a plusieurs qui ont hâte, puis c'est... Mais pour d'autres, c'est anxiogène. Il y a ce changement-là qui peut faire peur. C'est pour certains la vie en appartement. Pour certains, c'est une nouvelle ville. C'est de se séparer un petit peu de son nid familial. Donc, on est très sensible à cette réalité-là qui peut être vécue pour certains. Donc, aux affaires étudiantes, en fait, au service des affaires étudiantes, on a une équipe qui est chevronnée et spécialement là pour répondre à ces besoins-là que les étudiants pourraient avoir. J'ai envie de dire que toute l'équipe école est sensible à la réalité que les élèves vivent quand ils font ce passage-là au collégial. Mais on a une équipe de 3 travailleurs de milieu aussi au collège. Ces travailleurs de milieu-là, dont je fais partie, il y en a 2 autres qui m'accompagnent aussi, ont travaillé sur un programme qu'on appelle PAUSE parce qu'on veut des étudiants positifs, organisés, zen et équilibrés. Et pour PAUSE, rapidement, quand vous allez arriver au collégial, on va aller vous rencontrer pour vous présenter un atelier qui, le but est vraiment de faire diminuer l'anxiété par rapport à ce que peut représenter justement ce passage-là, notamment à travers des ateliers. On voyait tout à l'heure des exemples d'horaires. Comment l'organiser, cet horaire-là? Est-ce que je peux travailler en même temps que je concilie mes études? Est-ce qu'il me reste du temps pour moi? Et ce moment-là, avec les travailleurs de milieu, va pouvoir vous permettre de regarder tout ça. Excellent. Donc, en fait, c'est un bon moyen de faire diminuer le stress et de bien vivre son passage. Exactement. Au niveau du collégial. Maintenant, un étudiant qui aurait des difficultés d'apprentissage dans une discipline en particulier, est-ce qu'il y a des services qui sont offerts au collège pour l'accompagner? Oui, comme Mélissa le disait tout à l'heure, on a un centre d'aide en français, le centre de ressources linguistiques. On a également un centre d'aide en mathématiques, en sciences, en langue anglaise. Et je voyais aussi qu'on peut, il y a des laboratoires pour faire des échanges en espagnol. Donc, vous pouvez trouver ça sur la plateforme mavieouxlaflèche.ca, ces informations-là, pour les services adaptés, pour les services psychosociaux. Vous allez voir sur la plateforme, il y a différents onglets, une oreille pour moi. Vous allez retrouver les travailleurs de milieu, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. Les services adaptés, prendre aussi rendez-vous. Si vous avez un diagnostic reconnu par un professionnel de la santé, c'est possible qu'on puisse mettre des accommodements ensemble. Habituellement, on fait une rencontre d'accueil avec les étudiants pour évaluer les besoins et ainsi mettre des accommodements en place. Donc, en fait, la plateforme Ma vie ou La Flèche, c'est une plateforme qui est réservée exclusivement aux étudiants du Collège La Flèche. Donc, toute l'information, justement, des services aux étudiants se retrouvent sur cette plateforme-là. Dis-moi, Louis-Philippe, la chaleur de La Flèche, le côté humain, le côté famille de La Flèche, comment tu l'as vécu, même toi personnellement en tant qu'employé? Ben, moi, comme employé, quand je suis arrivé ici, exactement, j'ai découvert une petite école collégiale, mais une grande famille. 3 ans plus tard, je suis en mesure de dire que je vis toujours ça de la même façon. Si ce n'était pas de la COVID, je te ferais un câlin. Ça n'a pas de bon sens. Mais les étudiants aussi le vivent en passant. La proximité entre les employés, les professeurs et les étudiants, c'est quelque chose, la disponibilité. On adore ça. On aime ça être proche de nos élèves. Les élèves le sentent. Pour ça, d'ailleurs, dit-on, c'est genre la flèche à vie ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc, peut-être tout renchérir tout à l'heure. Là, je parlais des travailleurs de milieu et des ateliers pause. On allait aller vers vous pour vous présenter ces ateliers-là, apprendre à mieux gérer votre temps, c'est des trucs comme ça. J'ai envie de vous dire que vous pouvez aussi venir à nous. L'année dernière, en 2021, les travailleurs de milieu ont fait plus de 600 rencontres individuelles. Donc, des fois, c'est quelque chose que vous vivez qui n'a pas nécessairement un lien avec l'école, mais difficulté de motivation, difficulté de couple familial, d'organisation. Peu importe la raison, c'est toujours un bon motif pour venir vers les travailleurs de milieu qui vont prendre le temps avec vous de vous accompagner. Excellent. Hey, merci beaucoup, Louis-Philippe, pour ta participation ce soir. Ça me fait plaisir. On va passer maintenant à la vidéo de Mme Kathleen Tousignan au niveau de l'aide financière. Bonjour, je me présente Kathleen Tousignan. Je suis responsable de l'aide financière au collège. Mon rôle est de soutenir les étudiants dans l'élaboration de leur demande d'aide financière, les prêts et bourses. Pour l'année scolaire 2022-2023, la demande d'aide financière n'est toujours pas disponible. Par contre, elle le sera aux alentours du 15 mai prochain sur le site de l'aide financière afe.gouv.qc.ca. À ce moment-là, si toutefois tu as des questions, je t'invite à communiquer avec moi pour prendre un rendez-vous. De plus, au collège, nous avons notre propre fondation, la Fondation du Collège de la Flèche, qui vient en aide aux étudiants par le biais de formes de bourses, entre autres les bourses de soutien financier, les bourses de stage.
Toutes les informations concernant les bourses ainsi que les critères d'admissibilité se retrouvent sur le site web du collège. En terminant, au La Flèche, tu recevras des crédits d'impôt qui viendront grandement diminuer ta facture de frais de scolarité. Nous avons déposé un tableau récapitulatif sur le site web du collège et si toutefois tu as des questions concernant ce sujet, je t'invite à communiquer avec ma collègue Annie Lessard au service des finances. Merci beaucoup et au plaisir de te rencontrer. On voit à l'écran, comme le disait Kathleen, les différentes façons de financer ces études qui existent soit au collège ou au niveau du ministère. Donc, c'est des bourses qui sont accessibles pour vous, évidemment. Donc, prenez le temps de regarder s'il y en a qui peuvent s'appliquer à votre situation. Des fois, ça peut grandement faciliter la vie de pouvoir profiter de cette aide financière. Alors, je voudrais vous rappeler, avant de terminer cette magnifique conférence, que notre équipe de clavardage est toujours en poste pour répondre à vos questions en direct. Et elles seront en poste tant et aussi longtemps que vous avez des questions. Fait qu'ils ne sont pas couchés, là. Ils ont du café en masse, ils peuvent passer la soirée avec vous autres, il n'y a aucun problème. Je vous rappelle aussi deux rendez-vous vraiment importants qui s'en viennent. Donc, le bloc étudiant d'un jour pour venir essayer le Collège La Flèche et le programme qui vous intéresse, donc du 14 au 25 février 2022, ainsi que la très importante soirée information admission du 16 février prochain, de 16h30 à 19h. Vous trouverez l'information pour ces deux grands rendez-vous sur le site Internet du Collège La Flèche, donc dans la section des cours, vous voyez au bas de l'écran l'adresse vous menant directement au site. Alors, merci de votre attention et au plaisir de vous compter parmi nous à la soirée information admission, mais encore plus important, l'automne prochain. Bonne soirée!